Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour l'explication du granny popcorn avec la tête de Mickey ou de Minnie Mouse, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez l'utiliser pour filles comme pour garçons. J'ai utilisé une laine que j'ai achetée chez Centracor avec un crochet 2 mm. Je le tiens à l'envers. 2 mm. Vous pouvez utiliser un crochet 2,5 ou 3 mm. C'est en fonction de comment vous crochetez. Pour la couverture, vous pouvez la faire en continu sans couper le fil, en continu avec la même couleur. Si vous voulez changer de couleur, vous changez de couleur et vous la faites en continu. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de faire ça, que de faire des carreaux et de les rassembler par la suite. En tout cas, si c'est ce que vous allez faire, j'ai une vidéo qui explique comment rassembler les colonnes. J'ai d'autres vidéos pour les pop-corns. J'ai le pop-corn en cœur. Je l'ai en étoile et en nœud papillon. Donc, n'hésitez pas de visiter ma chaîne. Donc, on va passer aux explications tout de suite. Avant de passer aux explications, je vais vous demander de vous abonner, de laisser un petit j'aime et de laisser un petit commentaire si ma vidéo vous plaît. Donc, on passe aux explications. Alors, on va tout de suite commencer en faisant nos mailles en l'air. Je vais d'abord faire mon nœud et on va faire 32 mailles en l'air. Il faudra pas trop serrer nos mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en fais 32 et je reviens. Voilà, donc j'ai fait 32 mailles en l'air. Là, c'est ma 32e. Je vais pointer mon crochet à l'intérieur de la 31e. Je vais récupérer le fil. Hop, j'enroule le fil sur le crochet et je passe à l'intérieur des deux boucles qui sont sur le crochet. Donc j'ai fait une maille serrée sur la 31e maille en l'air. Donc là, on va faire 31 mailles serrées sur tout le long. Donc, je vous montre encore une fois, je pointe le crochet à l'intérieur de la maille en l'air, je récupère le fil. Hop, j'enroule le fil sur le crochet et je vais passer la boucle que j'ai enroulée à l'intérieur des deux boucles qui sont déjà sur le crochet. N'oubliez pas de compter dès maintenant vos mailles serrées. Il se peut que vous vous êtes trompé tout au début en faisant vos mailles en l'air. Vous avez fait peut-être 33 au lieu de faire 32, ou bien vous en avez fait 31. Et ça va tout gâcher en fait par la suite si vous ne comptez pas dès le début. Donc comptez bien si vous avez 31 mailles serrées. Si à la fin de votre rang, vous rendez compte que vous n'avez pas 31 mailles serrées, mais que vous en avez 30 ou 33, enfin peu importe, recommencez. Ça va vous faire perdre 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave, mais recommencez. C'est mieux de compter maintenant et de recommencer maintenant que de recommencer au 6e ou au 7e rang en fait. Hop. Donc moi je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes 31 mailles en l'air. Je vais tourner mon travail, on va dire. En fait, pour faire nos pop-corn, on va les faire toujours à l'arrière du carré. En fait, là, on est à l'avant du carré. Le fil de début est là, ici. Donc là, c'est l'avant. Quand on est ici, on est à l'avant. Et là, on est à l'arrière. On va d'abord faire 5 rangs de 31 mailles serrées. Et par la suite, on va commencer à faire nos pop-corn. Alors, pour passer d'un rang à l'autre, moi, je ne fais pas de mailles en l'air. Je pointe directement dans le premier trou. Je récupère le fil et je fais ma première maille serrée. Voilà. Donc là, c'est mon deuxième rang. Je vais faire 31 mailles serrées sur 5 rangs au total. Hop. Et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes 5 rangs de 31 mailles serrées. On va passer à l'arrière de notre travail. On va commencer à faire nos pop-corns sur ce rang-là. Hop, on va tout de suite commencer en faisant 12 mailles serrées. D'abord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, là, 11 et 12. Hop. Donc sur la prochaine maille serrée, donc sur la 13e, on va faire notre popcorn. Pour faire le popcorn, on enroule le fil sur le crochet. On pointe
à l'intérieur de la 13e maille serrée, on récupère le fil. On enroule le fil sur le crochet, on va passer le fil qu'on a enroulé à l'intérieur des deux premières boucles. On enroule le fil sur le crochet, on passe à l'intérieur de la boucle, on récupère le fil, on enroule, on passe la boucle qu'on a enroulée à l'intérieur des deux premières boucles qui sont sur le crochet. On enroule, on rentre, on récupère, on enroule et on passe sur les deux premières. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 boucles. Je vais en faire jusqu'à qu'il me reste 6 boucles. Hop, on enroule et on passe à l'intérieur des deux boucles. J'enroule le fil sur le crochet, je rentre à l'intérieur de la boucle, je récupère, j'enroule et je passe le fil que j'ai enroulé à l'intérieur des deux premières boucles. Donc j'ai 2, 4, 6 boucles sur mon crochet. J'enroule le fil sur le crochet et je vais passer le fil que je viens d'enrouler à l'intérieur des 6 boucles d'un coup. Hop, et je fais une maille en l'air. Voilà, donc là j'ai réalisé mon premier popcorn. On va faire une maille serrée sur la prochaine maille serrée. Hop. Et faites bien attention quand vous faites le popcorn à bien bousculer vers l'extérieur. Donc on a fait un popcorn, une maille serrée sur la boucle suivante. On va faire sur la maille serrée suivante, excusez-moi, on va faire encore un popcorn. Donc j'enroule le fil sur le crochet, je rentre, je récupère, j'enroule le fil sur le crochet et je passe dedans les deux premières boucles. J'enroule, je rentre, je récupère, j'enroule et je passe à l'intérieur des deux premières. J'enroule, je rentre, je récupère, j'enroule, je passe à l'intérieur des deux premières. Hop. Et hop. 2, 4, 6. J'enroule le fil sur le crochet, je passe à l'intérieur des 6 boucles d'un coup. Je fais une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée sur la prochaine maille serrée. Hop. Et sur la prochaine maille serrée, je vais faire mon troisième popcorn. J'enroule le fil sur le crochet. Je vais vous montrer comment je fais les popcorns sur ce rang-là. Après, je vais arrêter de vous montrer hein, comment on les fait. Je vais plus faire attention à vous donner les chiffres, les nombres, le nombre de mailles serrées à faire, le nombre de popcorns à faire. Donc là, on a fait les deux. On va faire notre troisième popcorn ici. Hop. J'enroule le fil sur le crochet. Je passe à l'intérieur des deux premières. J'enroule. Je rentre, je récupère, j'enroule et je passe à l'intérieur des deux premières. J'enroule, je rentre, je récupère, j'enroule et je passe à l'intérieur des deux premières. Hop. Et hop. Voilà. J'enroule le fil et je passe à l'intérieur des 6 boucles qui sont sur le crochet et je fais ma maille en l'air. N'oubliez pas de faire la maille en l'air. Ici, je fais une maille serrée juste à côté. Hop. Et ici, sur la prochaine maille serrée, je vais faire mon quatrième popcorn qui sera le dernier pour ce rang-là. Donc j'enroule le fil sur le crochet, je rentre à l'intérieur de la maille serrée, je récupère, j'enroule, je passe à l'intérieur des deux premières, j'enroule, je rentre, je récupère, j'enroule et je passe à l'intérieur des deux premières. Hop. Deux, quatre, six. Voilà. Hop et hop. Voilà, donc on a fait 4 popcorns sur ce rang-là. Et là, il nous reste 12 mailles serrées à faire jusqu'à la fin du rang. Donc je fais mes 12 mailles serrées. Voilà. On passe à l'avant de notre travail. Donc, comme je vous ai dit, on va faire nos pop-corn quand on sera à l'arrière. Donc devant, on va faire que des mailles serrées. On va faire nos 31 mailles serrées à chaque fois qu'on est devant. Donc derrière, on va faire nos pop-corn et devant, on va faire nos mailles serrées. Donc là, je fais d'abord mes 12 premières mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12, elle est bien cachée ici entre le popcorn et les mailles serrées. Donc 12. On va faire une maille serrée sur la maille en l'air qu'on avait fait sur le popcorn ici. Hop. Il y avait une maille serrée entre les deux popcorn. Une maille serrée sur le popcorn. Une maille serrée entre les deux popcorn. Hop.
une maille serrée sur le popcorn, une maille serrée entre les deux, une maille serrée sur le popcorn. Hop. Et là, je refais 12 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Donc moi, comme je vous ai dit au début, je vous le redis, je vous conseille de compter sur chaque rang vos 31 mailles serrées. Parce qu'il se peut que vous oubliez juste la maille serrée qui est sur le popcorn ou qui est entre les deux popcorn. Et ça fait que sur le rang suivant, vous allez avoir 30 mailles serrées au lieu d'en avoir 31. Et du coup, le travail va aller en forme de triangle. Ça sera dommage. Donc comptez bien à chaque fois. Hop. Comme là, je vous ai montré comment on fait devant. Je vais les montrer une fois. Je ne vais pas le remontrer. Hein. C'est simple. On fait des mailles serrées sur les mailles serrées. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on va passer à l'arrière de notre travail. On va faire 10 mailles serrées ici. 10. Hop. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Sur la 11e maille serrée, je vais faire mon premier popcorn. 4, 5 et 6. Hop. Ici, je vais faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Sur la 10e maille serrée, je vais faire mon deuxième popcorn. 4, 5 et 6. Hop et hop. Il me reste 10 mailles serrées à faire jusqu'à la fin du rang. Voilà, hop, je vais vous montrer comme ça. Donc, je fais mes 31 mailles serrées devant et je reviens. Alors, j'ai fait mes 31 mailles serrées, on va passer au rang suivant. Hop. On va faire 8 mailles serrées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire mon premier popcorn. 3, 4, 5, 6, hop. Ici, on va faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ici, on va faire notre deuxième popcorn. 3, 4, 5. 6, hop et hop. Et il nous reste 8 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Hop. Donc je fais mes 31 mailles serrées devant et je reviens. Alors voilà, j'ai fait mes 31 mailles serrées. Hop. On va passer au rang suivant. On va faire 7 mailles serrées ici. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais faire mon popcorn sur le 8e. 3, 4, 5 et 6. Hop. Là, je vais faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, oula, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Ici, on va faire un popcorn. 3, 4, 5 et 6. Et 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Voilà, je fais mes 31 mailles serrées devant et je reviens. Alors, j'ai fait mes 31 mailles serrées, on va passer au rang suivant. Je vais faire 7 mailles serrées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire un autre popcorn. 4, 5 et 6. Hop. Je vais faire 15 mailles serrées. Ça va être exactement le même rang que celui précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop, je vais faire mon popcorn. 3, 4, 5 et 6. Et il me reste 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors, j'ai fait mes 31 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va faire 7 mailles serrées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire mon popcorn. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On va faire 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Hop. Donc c'est le même rang que les deux précédents. Hop. Donc 7 mailles serrées, un popcorn, 15 mailles serrées, un popcorn et 7 mailles serrées. Donc,
on l'a fait sur trois rangs. On va faire un dernier rang, un quatrième. Hop. Pareil. Je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors voilà, j'ai terminé mes 31 mailles serrées. Hop. On revient à l'arrière. On refait cette maille serrée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire notre popcorn. 2, 3, 4, 5, 6, hop, et hop. On va faire 15 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. On va faire notre popcorn. 4, 5. Et 6. Et on va faire 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc on a fait les mêmes nombres de mailles serrées et les mêmes popcorn sur 4 rangs. Là, sur le cinquième rang, ça va être différent. Sur 4 rangs, en fait, on a fait 7 mailles serrées, un popcorn, 15 mailles serrées, un popcorn, 7 mailles serrées. Donc ici, vous voyez qu'ils sont tous alignés. Hop. Donc là, je vais faire mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors, j'ai fait mes 31 mailles serrées. Hop. On va passer au rang suivant. On va faire 4 mailles serrées ici. 1, 2, 3. 4 mailles serrées. On va faire notre premier popcorn. 4, 5, 6, hop. On va faire une maille serrée. Notre deuxième popcorn. 3, 4, 5. 6, hop, on va faire une maille serrée et notre troisième popcorn, 3, 4, 5 et 6, hop. Ici on va faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. On va faire notre premier popcorn. 2, 3, 4, 5, 6, hop. On fait une maille serrée. Notre deuxième popcorn.
une maille serrée et le troisième popcorn. Voilà, et il nous reste 4 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors j'ai fait mes 31 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va commencer en faisant 3 mailles serrées. 2, 3. Je fais mon premier popcorn. Et 6. Ici, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mon deuxième popcorn. 5, 6, hop, hop. On va faire 9 mailles serrées ici, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais mon troisième popcorn du rang. 4, 5, 6, hop. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, hop. Et je fais mon quatrième popcorn. 2, 3, 4, 5 et 6, hop. Yep. Donc on a fait 3 mailles serrées, 1 popcorn, 6 mailles serrées, 1 popcorn, 9 mailles serrées, 1 popcorn, 6 mailles serrées, 1 popcorn et 3 mailles serrées. Hop. Je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors j'ai fait mes 31 mailles serrées, on va passer au rang suivant. Alors, on va tout de suite commencer en faisant 2 mailles serrées sur ce rang-là. 1, 2, je fais mon premier popcorn. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire notre premier popcorn, enfin notre deuxième, pardon. 3, 4, 5, 6, hop. On fait une maille serrée, un popcorn. 3, 4, 5. Une maille serrée, un popcorn, 3, 4,
3, 4, 5 et 6. Hop. Donc j'en ai fait 3 à la suite. Et je fais mon quatrième. Donc une maille serrée et un pop-corn. Et 6, hop, et hop. Donc je vais faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, et mon dernier popcorn. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Et 2 mailles serrées pour la fin du rang. Voilà. Donc on a fait 2 mailles serrées, un popcorn, 9 mailles serrées. Ici on a fait 4 popcorns à la suite avec une maille serrée entre les popcorns. 9 mailles serrées. Un popcorn et 2 mailles serrées pour la fin du rang. Je fais mes 31 mailles serrées et je reviens. Alors, j'ai fait mes 31 mailles serrées. Hop. On passe au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées ici. 1, 2. On fait notre premier popcorn. 3, 4, 5, 6. Hop. On va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on va faire notre popcorn. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Ici, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et 5, on va faire notre popcorn. 3, 4, 5 et 6. Hop. On va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on fait notre dernier popcorn du rang. 3, 4, 5 et 6. Hop. Et du coup, il nous reste 2 mailles serrées pour la fin du rang. Voilà. Donc, on a fait 2 mailles serrées, le premier popcorn, 9 mailles serrées, le deuxième popcorn, 5 mailles serrées, le troisième popcorn, 9 mailles serrées, le quatrième popcorn et les 2 dernières mailles serrées. Excusez-moi. Je fais mes 31 mailles serrées ici et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 31 mailles serrées et je suis revenue. On va faire notre dernier rang avec les pop-corn. Hop. Donc on va commencer en faisant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 4, 5. On va faire un popcorn, 2,
2, 3, 4, 5, 6. On va faire une maille serrée. Hop, notre deuxième popcorn. 3, 4, 5 et 6. Hop, une maille serrée. Et notre troisième popcorn. Oula. 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire notre premier popcorn. 3, 4, 5 et 6. Hop. Une maille serrée, deuxième popcorn, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille serrée, troisième popcorn, 2, 3, 4. 5 et 6. Hop et hop. Et du coup, pour la fin du rang, il nous reste 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on a terminé la tête de notre Mickey. Hop. Je vais faire mes 5 rangs de 31 mailles serrées, comme on avait fait ici, et je reviens. Alors, j'ai terminé mes 5 rangs de 31 mailles serrées, et vous voyez, on a terminé la tête de notre Mickey, ou de Minnie Mouse, c'est en fonction, comme vous souhaitez. Donc, on arrive à la fin. J'espère que mes explications et ma vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aimer, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos et je vous dis à très bientôt.